170 concurrents s'élancent pour cette première édition d'une course devenue mythique. Plus de la moitié n'atteindront pas Dakar. 10 000 km d'aventure, de pièges et à l'arrivée, un seul classement pour autos et motos. Cyril Neveu devient sur Yamaha le premier des fous du désert. Des étapes encore plus éprouvantes attendent les participants de ce deuxième Dakar. Les pistes cassantes assoient l'hégémonie des motos. Cyril Neveu s'impose pour la seconde fois. Troisième du général, la paire Kotulinski-Luffelmann remporte le premier classement auto. La mécanique commence à résister. Les duels peuvent commencer. Décolle, va pas décoller. Fais gaffe, il freine. Fais gaffe, il part en travers. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Non, fais gaffe, on rentre dedans. En température. Ça va, fais gaffe. 1981, le nombre des voitures a doublé en 3 ans. Double vainqueur, Cyril Neveu connaît des ennuis mécaniques. L'épreuve est marquée par de nombreux mauvais choix. Sur Range Rover, René Meij et Bernard Giroux font la différence au Mali lors de la 9e étape entre Gao et Tombouctou et remportent la course. Chez les motos, Hubert Auriol sabre le champagne, mais on retiendra aussi la 10e place d'une femme, Christine Martin, pourtant victime d'une chute sévère. Pour lui, mon Dieu, tiens. 1982, Bernard et Claude Marot triomphent sur une Renault 20. Cyril Neveu offre à Honda une première victoire officielle en Afrique. Mais l'histoire retiendra l'infortune de son dauphin, Philippe Vassar. À Tombouctou, il franchit la ligne à l'envers et écope de 5 heures de pénalité. Quelques jours plus tard, il porte secours à un pilote accidenté et chute. Philippe Vassar termine la course avec un bras dans le plâtre.